joueur hors jeu. Maman, elle est fort. Jouez-le. Au blanc. Morten. Je te reviens sur l'avant. Donc je vais peut-être pas vous avancer. Deuxième ligne, toute neuve. Première ligne, toute neuve. Également, troisième ligne, c'est Mathias Haddad qui a laissé sa place à Paul Boudéan. Quentin Lespio à la place. À l'extérieur. Et pourquoi pas, dès ce soir, à Toulouse. Ils sont toujours dans le coup, alors que les Toulousains, avec Willis, remettent la main sur le ballon. Le soutien de Hall. Ces hommes pour servir Flamand. Percussion de Flamand, stoppée par Cancorillier. Plaquage. Le ballon bien défendu hein, sur ce ballon porté. Et ce ballon qui traîne. Roumak maintenant qui se détache. Bien attendu, repoussé. C'est sifflé, oui, il s'est signalé. C'est quand même il se relève, Théo Tamac, mais il a été secoué là. Ouais, charge de balle par Leitz. Saito renverse. Théo Tamac, encore remise intérieure pour Brennan, c'est pas mal fait. Bon plaquage encore que suit attentivement Grégoire. Les Rochelais vont pouvoir se relancer. West avec cette percussion difficilement stoppée par Meafou. Le ballon est disponible pour le demi de mêlée Rochelais. Bergeon a lancé Bourgarit, épaulé par Boudehan. Grosse épreuve de force.
10 minutes après la reprise de cette deuxième période, Skelton essaye de s'enfoncer au ras. Ah, il était attendu, hein. Willis. Sous l'œil d'Ogara, le côté fermé avec Koutelia qui s'écroule derrière la ligne toulousaine. 2, La Rochelle 20. Essai aplati en force par Alexandre Koutelia. Bon, la morale de l'histoire, c'est qu'à 22 à 7, on respecte le buteur. Avec... De nouveau.